trouvera sa place. Elle vous permettra d'adopter une forme plus familière pour l'âme qui vous attend en bas. Préparons tout pour le rituel. Bien le bonjour. Prenez soin de vous. La Lali peut-il vous aider ? Qu'il est beau de rêver. La nuit, espérons que ça suffira. Ça a marché ? Non, les cauchemars persistent. Quel est votre combat ? Il nous faut davantage d'animaux. Faites ce qu'il faudra. Pour Sylvar, je vous retrouverai devant mon ancien bosquet. Il porte bien des souvenirs. Et bien des deuils. Je me joins à vous. Peut-être pourrais-je vous aider à trouver ce dont vous avez besoin.
Je serre la reine. La forêt saute. Tremble devant ma fureur. Le voile du cauchemar est levé. Je replonge enfin dans un profond sommeil. Dans la grande forêt de l'au-delà, jusqu'à ce que je puisse à nouveau servir la nature. Bienvenue dans mon bosquet, l'ami. Votre Majesté, je protégerai ces âmes pendant leur sommeil hivernal. Je les ferai renaître pour un nouveau printemps. Peu importe les défis qui s'imposeront à moi. J'en fais le serment. Votre Majesté. Repose-toi et rêve. Toutes ces saisons de pénurie. Tiens, là, c'est bien peu, je sais. Cela doit être fait. Prenez tout ce qui se trouve dans ce bosquet. Il ne doit rien rester. Non, non, non ! C'est bon, bosquet ! Vous ne les détruirez pas ! Aralon ! Nous ne sommes pas tes ennemis. Quiconque menace mon bosquet est mon ennemi! J'ai prêté serment! Votre Majesté, j'ai gardé la foi. Pendant tout ce temps, j'ai cru que vous viendriez nous sauver. Mais vous en voyez, ces vautours dans mon bosquet? Pourquoi? Ce qui se profile. Sylvarden se meurt. Elle doit être sauvée. La reine a fait appel à Lalali. Nous avons drainé ton bosquet pour que d'autres vivent. Es-tu prêt à sacrifier une âme pour sauver la forêt tout entière? Ou respecteras-tu ton serment? Ton cœur est pur. Je respecterai ta décision.
Tu vas servir la nature une dernière fois. J'honorerai ta mémoire. Pardonne-moi, mon ami. Je chasserai pour vous, votre majesté. Pour Sylvarden. Et pour les âmes que nous pouvons encore sauver. J'en fais le serment. Chassons ceux qui voudraient nous chasser. La Lali peut-il vous aider ? Faites ce qu'il faudra. Bonjour. À la prochaine. L'anima n'est pas loin. Poursuivons les recherches. Est-ce que mon Bosquet va connaître le même sort ? Je peux vous aider ? Je ferai de mon mieux.
Nous approchons. Où peuvent-ils bien cacher une si grande quantité d'anima? Ils doivent le rassembler pour quelques sombres desseins. La forêt a besoin de nous. Sylvarden survivra. Ils doivent conserver l'anima volé au cœur du bosquet. Pourtant, il s'est flétri depuis longtemps. Serait-ce les bosquets flétris qui ont attiré les Drust en Sylvarden? Je dois m'approcher. Je sers la reine. Pour Sylvarden. Thank you.
Où allons-nous maintenant? Attention, vous mettez les pieds. Quel est votre combat? La forêt saura subsister. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Drost. Et un gros. Notre forge. La voie est libre. Vite, gagnons le cœur du bosquet. La Lali peut-il vous aider? Faites ce qu'il faudra. Prenez le cœur. On va les retenir. Ça fait tant d'animaux. On ne pourrait pas l'utiliser pour restaurer le bosquet et le mien avec. Nos bosquets sont morts, Mia. Il faut l'accepter et en faire notre deuil. Il y a forcément quelque chose à faire pour restaurer tout ce qu'on a perdu. Pour apaiser la douleur. Ils ont été sacrifiés pour sauver le royaume. Il faut nous battre pour honorer ce sacrifice. Quel est votre combat? La... Ils sont trop nombreux! Protégez le cœur à tout prix! On ne peut pas vous laisser 2 minutes sans supervision. Vite, suivez-moi! Nous avons du travail! Vous êtes spécial, pas vrai? On ne s'en dit jamais avec... Dites-moi quand vous voudrez faire pleuvoir notre magie. Je vais mener ces deux-là en lieu sûr. Merci, Dame Baie de Lune. Nous sommes...
Il est temps de faire des étincelles! Votre pauvre petite magie féerique ne peut rien contre moi! Ma magie ne fait rien à ce gros balourd! Je m'en chargerai plus tard! Devrait suffire. Je vais garder les Drust à l'œil. Vous retournez auprès d'Aliot. Bienvenue. Ne perdez pas vos rêves. Les Drust ne tarderont pas à revenir à la charge. Dépêchez-vous. J'ai déjà vu des esprits aux prises avec leurs cauchemars, mais jamais rien d'aussi violent. Celui-ci a dû vivre un grand traumatisme.
confiance, cet esprit ne pourra pas rêver paisiblement tant que nous n'aurons pas affronté ce qui le hante.
Il ne reste plus qu'à commencer le rituel. Flotter au gré des vents. Il vous faut quelque chose? Les cauchemars ne sont pas réels, mais ils peuvent tout de même vous atteindre. Prenez garde. En rêve son passé, les événements importants qui ont déclenché tout le reste. Thank you.
Tant de projets inachevés, tant de remords et de regrets. Par un vieil ami. Voilà une blessure qui ne se referme jamais. Je parle au nom des esprits. À bientôt. L'heure est venue. La douleur déchirante. La folie qui dépasse tout entendement. Pardonnez-moi, chers amis. Je ne comprends pas mes actes. C'en est fini de vous, mortels! Le rêve n'est plus! Attends que je serai en vie! Êtes-vous vraiment perdu, Izera? Après tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons accompli, mon heure approche. Je sens.
Comment puis-je vous aider? Votre attention à tous, s'il vous plaît! Nous ne sommes pas les seuls à avoir contemplé ce cauchemar. Les Drusts approchent. Veuillez m'excuser, vous avez besoin de quelque chose. Votre fin est proche. Varden est condamné. Mm-hmm.
Oh, je vois que votre chasse se passe bien. Abattez notre proie sans pitié. Affûtez bien vos sens. À moi, Lalali! Pour Sylvarden! Les trésors de la forêt. Que vos crocs soient toujours bien aiguisés. Pour la reine et pour nos bosquets.
trouver la proie. Bonne chasse! La Lali est sonnée, j'ai répondu à l'appel.
Je protégerai Sylvarden. Veillez sur la nature. Soignez vos blessures. Poursuivez le combat. Je dois m'approcher. Je ne suis pas à portée. Je dois d'abord choisir une cible. Thank you.
Venez, nous allons l'affronter ensemble. Leur anima alimentera notre victoire. Qu'on laisse pourrir leur carcasse. Regardez! Oh non! La graine sauvage! Je ne perçois plus ses rêves! Il va falloir réagir vite! Sans quoi elle sera perdue pour toujours! Notre proie n'ira nulle part. Le cycle doit être entretenu. Bonne chasse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai dit que votre voix était pareille à un oiseau qui chanterait seul dans la nuit. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tous chanter à l'unisson. Thank you.
baie de Lune. Est-ce encore un vilain tour ou y a-t-il un problème sérieux? C'est malheureusement très sérieux. Salutations. Seigneur Hearn, nous demandons audience avec la reine de l'hiver. Majesté, aidez-nous! Ceci appartient à ma sœur. Pourquoi l'avez-vous apporté ici? Cette âme est en train de faner. Notre devoir est cruel. Nombreux sont ceux qui ont péri. Pourquoi devrais-je sauver sa bête? Ceux qui ont rêvé à ses côtés se réveille empli d'une joie et d'une paix des plus admirables. Si elle meurt, tout ce qui est émeraude meurt avec elle. Certains doivent être sacrifiés, mais certains méritent d'être sauvés. Si nous l'oublions, alors tout ce que nous léguerons ne sera que coquille vide et chagrin. Je vous accorde audience, mortel. Je m'éveille à nouveau, mais dans un monde étranger. Vous renaissez en Sylvarden, enfant des rêves. Vous êtes lié à ce royaume et en partagerez le sort. La pénurie nous menace tous. Nous sommes habitués aux choix difficiles. Une vieille amie, bien des siècles plus tard, nos plus grandes peurs se réalisent. Si le proscrit s'agite, c'est un danger plus grave encore que cette terrible pénurie. Venez. Je vous invite à visiter ma cour
et à découvrir le cœur de la forêt. Nous devons discuter plus avant. Sylvarden entendra votre appel. Notre devoir sacré reste inchangé. Le cœur de la forêt est crucial pour la survie de Sylvarden et des autres royaumes. Il y a bien longtemps, nous avons puisé dans sa magie pour nous assurer que le proscrit ne pourrait jamais s'échapper de l'antre. Mais la pénurie l'a fané. Et il faut absolument le renforcer. Même si nous manquons d'anima, c'est une décision. Votre périple doit se poursuivre. Mais sachez que vous avez une alliée en moi et en Sylvarden. Quel est votre dessein ? Votre chemin est tracé. Quelle nouvelle m'apportez-vous ? Plus vu depuis un moment. Cette âme-là a l'air un peu bizarre. Je crois qu'elle est encore vivante. Vous qui venez d'arriver, sachez que cet endroit est voué au tourment et à l'expiation. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un chemin menant au salut, comme le montrent ces nombreuses stèles du vice.
Chacune de ces stèles représente une âme arrivée ici et qui s'est épurée de ses péchés jusqu'à gagner le droit de repartir ou d'incarner un Ventir. Écoutez bien mes paroles. C'est au maître que revient le jugement dernier. Lui qui règne sur Eventress. C'est lui qui exalte les âmes pour en faire des Ventir, les persécuteurs et dévoreurs du péché. On trouve toujours qui refusent le dur labeur menant à la rédemption. Ou qui n'acceptent pas leur stèle du vice. Ou qui sont des moutons noirs, tout simplement. Eux se font expulser. C'est un aller simple pour l'autre. Prenez cette pauvre âme, par exemple. Pour lui, c'est le dernier avertissement. Il refuse qu'à répondre à l'admettre qu'il a fait quelque chose de mal. Il se prend toujours pour quelqu'un d'important. Halte-là! Cette âme est en simple visite. Laissez-la. Faites attention à vos manières. Le grand chambellan est là. Sire Denatrius a hâte que je vous présente à lui. Tous, venez sans entrave. Quittons cet endroit. Vous aurez sans doute entendu parler de la pénurie d'animaux qui frappe notre réalité. Nous ferons face à ces difficultés avec dignité et unis sous la bannière du maître. Ravengrass est inébranlable. Grand chambellan, il y a un sacré raffut plus loin. On dirait bien une baston. Ah, des rebelles. Contournez-les ou passez-leur dessus. Jamais ils n'oseraient... Au nom du maître, que se passe-t-il encore ? Cette âme mortelle ne deviendra pas elle aussi une marionnette du maître. Il est votre maître à vous aussi, sale traître ! Relâchez-nous immédiatement! À vos ordres, grand chambellan. Vous construisez ou vous cassez? Vous allez retrouver les autres. Et moi, je m'occupe de retaper la calèche. Essayez Mortel, de ne pas vous faire par bouffer. Ici. C'est un réel plaisir de vous voir.
ronge les fondations de notre monde. Je n'en avais jamais vu autant d'un coup. Je veux pas qu'on mange. Ainsi, la lame fantôme nous fait l'honneur de sa présence. Et de quel cage vous a donc sorti notre sans-entrain ? Oh, vous commencez à me connaître. À chaque âge suffit sa cage. Il ronge les fondations de notre monde. Je n'en avais jamais vu autant d'un coup.
De mon vivant, j'étais imbattable. De ma mort, je suis implacable. J'offrirai votre cadavre au maître. Ou vous cassez? Pour l'heure, nos chemins doivent se séparer. La vengeance m'appelle. J'espère vous revoir. Restez d'ici sur là, garde. Tâchez de ne pas bouger. Il se peut que Draven et ses sbires rôdent encore à l'entour. Draven est l'un des rares chefs encore actifs d'une révolte avortée. Il est des faits, on va dire, des vives pierres qui tiennent le maître pour responsable de la pénurie d'animaux. Les hérétiques. Je sers le maître. Tout ça me dit sur une pénurie sont terriblement exagérés. Vous, là, le moche. Cher mortel, il vaudrait mieux nous séparer pour ne pas offrir une cible trop facile. Tâchez de ne pas mourir. Personne qui vous suit?
Bienvenue en Ravendress. Ne prêtez pas attention à ces rumeurs de révolte. Faites confiance au plan du maître. Ravendress avance avec détermination. Tous ces ondes. Vous éloignez pas de moi. Vous connaissez peut-être le danger, mais moi je connais Ravendress. Soyez donc un roc d'amour. N'allez pas quelque part.
Allez. Faites quand même attention. Avec la pénurie, c'est devenu vraiment dangereux ici. Je donnerais un œil pour voyager comme vous, mais pas le mien. Si ça a des crocs ou des ailes, faites gaffe à vous. Je dirais au gars que vous êtes de la belle roche. Thank you.
C'est vous qui avez fait ça ? Puis-je vous aider ? Vraiment, qui se déplace à pied. Présente à lui.
sombre havre. Ils laissent vraiment entrer n'importe qui ici. Aucun sens des convenances. Au moins, au château, il y a une sélection très stricte. Je sers le maître. Les vives pierres sont normalement d'une loyauté extrême. Les rebelles se sont laissés séduire par des belles paroles et des mensonges. Sombre salutation. Vous nous quittez déjà? Allez en paix. Voilà que les vivants arpentent le royaume des morts. Le monde va mal. Le maître nous surveille constamment. N'oubliez jamais que votre vie... Puis-je vous aider? Faites confiance au blanc. L'âme sans entrave. Il paraît que vous avez fait un tour à l'antre. Comment que ça sent, là-bas? Tâchez de ne pas énerver les crocs. Ils ne sont pas du genre patient.
première âme que je vois depuis un moment, et il faut qu'elle soit vivante. M'approcher. Nous avons l'éternité pour vous connaître. Le maître a bien dit que je devais servir tout le monde. Y'en a vraiment qui se déplace à pied. Quelle drôle d'idée. Et n'oubliez pas, assurer la sécurité de nos passagers n'est pas notre priorité. Je vous vois, ma dépouille mortelle me manque.
sombre salutation. Oh, mais comme vous êtes gorgé de vie et de liberté. Vous apportez des nouvelles. Karn, arrêtez de retenir le coup près. Laissez mes troupes écraser Draven et ses félons. Draven n'est pas le problème. Le prince est vaincu. Et la rébellion est en déroute. L'accusatrice reste la seule donneuse d'ordre. L'accusatrice? Elle a toujours le médaillon d'un moissonneur. Comment faire pour la vaincre? Maintenant, vous savez pourquoi il nous faut l'âme sans entrave vivante. Mes enfants, je sais la souffrance que vous avez endurée. Je crains que d'autres sacrifices s'imposent si nous voulons que Ravenbreath survive à cette crise. J'implore votre pardon, maître. Avec votre permission, je vous présente l'âme sans entrave. Oh, l'âme mortelle qui s'est échappée d'une prison de haute sécurité. Une âme vivante redonnant espoir aux royaumes éternels. Je sais que vous avez une demande urgente d'anima, cher sans entrave. En temps normal, j'aurais été heureux de vous aider. Malheureusement, vous tombez au plus fort d'une violente révolte. La pression sur nos réserves est terrible. Cette pénurie a plongé les miens dans le désespoir. Dans la famine, et même, pour certains, à la rébellion. Mais si vous vous joignez à notre cause, je vous apporterai avec joie l'aide que vous demandez. Je suis tout. Ce sera tout pour le moment. Faites très attention à ce que... Votre père. Et qu'avez-vous à demander, canaille? Avancez-vous sans entrave. Je vais vous offrir un aperçu du pouvoir que peut apporter la Venture. Grand Chambellan, je vous charge de mettre fin à cette rébellion avortée. Et pour vous y aider, je vous confie le médaillon du prince Rhenatal, ainsi que la force de notre cher sans entrave. Ramenez-moi l'accusatrice et vous recevrez son médaillon.
J'ai déjà promis celui du prince à un autre de mes fidèles alliés. Votre générosité n'a d'égal que votre sagesse, maître. Votre volonté sera faite. Bienvenue en Ravenpresse. Ravenpresse avance avec... Arrêté du maître. L'accusatrice doit être mise au fer et je dois prendre le commandement des salles de l'expiation. Nous refusons votre édit, votre usurpation de ma fonction et votre maître corrompu. Votre posture n'est tout l'orgueil que le vôtre, accusatrice. Vous n'êtes pas digne de votre titre, ni de vos privilèges, et encore moins de votre pouvoir. Et vous, vous n'êtes pas digne d'exister. Essayez d'entrer dans mes salles, et vous en aurez la preuve. Votre âme qui est la plus creuse de toutes, Chambellan. Personne n'entre ou ne sort. Oh, chère accusatrice, vous semblez effrayée. Inquisiteur, posez les protections sur ma stèle du vice et allez vous mettre en lieu sûr parmi les nôtres. Je vais m'occuper des intrus personnellement. Voici donc le pion involontaire de Denatrius. Votre ignorance ne vaut pas innocence. Je vous épargne pour cette fois. N'y revenez pas. Essayez de tenir un peu debout sans entrave.
Vous vous ridiculisez. Et moi avec. Puis-je vous aider? Faites confiance au plan du maire. Je vais retenir l'accusatrice. Trouvez les inquisiteurs et vous êtes en retard. Les stèles du vice sont l'arme la plus puissante de Ravenbreath et la plus détestée. Le pire traitement que l'on puisse infliger à quelqu'un qui cherche à fuir son passé est de lui mettre le nez dedans. Je vais trouver l'inquisitrice. Vous, localisez sa stèle. Allez déloger Temel également. Il sait comment utiliser au mieux les stèles du vice. C'est fermé, c'est fermé. Sans entrave à présent. Mais sans entrave, entendez bien mon avertissement. Denatrius vous ment. Alors finissons avec cette histoire, maître. C'est fermé. Jamais on n'y ira.
Jamais on ne m'oubliera. J'ai localisé l'inquisitrice. J'espère que vous avez sa stèle. Vous avez entendu ce qui se raconte? Écoutez bien, je ne répéterai pas. Cherchez la stèle du deuxième inquisiteur. Retrouvez-moi ici. J'ai trouvé la prochaine stèle. Avez-vous réglé le cas de l'inquisitrice Telia? C'est moi! J'ai expié chacune des fautes de cette prière! Mmh.
vice est en train de faiblir, accusatrice. À votre avis, combien de temps faudra-t-il à mes sbires pour éliminer votre cousin ? L'âme sans entrave, c'est vous ? Ne restez pas là. Vilhelm m'a caché les fragments de sa stèle du vice le long de ce chemin, là-haut. Trouvez-les, je me charge de l'inquisiteur. Les échevins ne font pas leur travail. Ces monuments menacent de s'effondrer.
L'inquisiteur Willem n'est pas loin, et vous, vous n'êtes pas rapide. Écoutez bien, je ne répéterai pas. Allez, host. Je vais reconstruire la stèle pour vous. Pour que je puisse trahir mon ami avec. Vraiment, merci. Kellon, rapportez-la-moi tout de suite. C'est trop loin. Vous êtes en retard. Disparaissez, Kellon. Avec joie, maître. Je vais récupérer la stèle de l'accusatrice. Votre rôle à vous, c'est de vous donner une mobilité sans un coup. L'heure de la défaite a sonné pour vous, accusatrice. Mes sbires ont su me rapporter votre stèle du vice. Je sers le maître. Ne prêtez pas attention à ces rumeurs. Tout s'est rendu sur une pénurie. Je vais utiliser la stèle du vice de l'accusatrice pour la briser, comme font les inquisiteurs. Je donne à l'accusatrice son véritable nom, Ariette, l'ombre écarlate, qui a orchestré l'assassinat d'innombrables innocents, dont le moindre petit gain dérivait du meurtre, qui a tué sa propre... Mais pourquoi il ne se passe rien? Vous pensiez qu'une moissonneuse se briserait si facilement? Ma stèle du vice était exposée à la vue de tous. Je suis fier des fautes que j'ai réussi à expier en Ravendress. Et Kellon, sans entrave, protégez-moi! Vos vives pierres ne peuvent pas m'arrêter. Je suis une moissonneuse. Mon médaillon doit être capable d'amplifier la force de la stèle. Ainsi, vous connaissez mon nom. Vous apprendrez à connaître ma puissance. A donné corps à votre propre accusatrice. Vous la reconnaissez? Camille. La fille que vous avez assassinée au cœur de la nuit. Maman? Maman, pourquoi tu m'as tuée? Oh, ma chère Camille, je ne savais pas que c'était toi. Ils m'ont menti. Ils ont dit que... Je suis vraiment désolée, mon trésor. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pense à toi tous les... Vous l'avez assassinée, votre propre fille! Vous osez faire apparaître ma fille pour me tourmenter? J'ai payé pour cette faute en centuple! J'ai brisé les défenses de l'accusatrice!
Écrasez-la pendant qu'elle est affaiblie. Je n'ai plus rien. Et même ça, je vais vous le prendre. Bienvenue en Revenant. Faites confiance au plan du maître. Ne prêtez pas attention à ces rumeurs de Revenant. C'est l'accusatrice et l'âme sans entrave que le maître attend. Le maître préfère sans doute que je reste ici pour prendre le contrôle des salles. C'est sa priorité absolue. Les yeux sans entrave. Le maître n'est pas celui qu'il prétend. Silence! Accusatrice, je vous ai confié une tâche simple, et à la place, vous avez choisi de vous révolter. Vous m'avez ordonné de profaner les rituels ancestraux qui définissent notre royaume. Je ne ferai jamais ça, même pour vous. Quelle regrettable erreur. Vous êtes en ce jour accusé d'avoir bafoué la volonté de Revendreth. Denatrius, c'est moi qui vous accuse d'avoir trahi votre devoir. C'est vous qui bafouez la volonté de Revendreth. Bafouez Revendreth? Mais j'en suis Revendreth! Un ou deux siècles à brûler dans la province des Braises devraient vous rappeler qui dirige ce royaume. Même vos châtiments révèlent votre fatuité. Très bien. Cachez-moi donc comme vos autres échecs. Jadis, vous étiez une figure d'effroi, mais aujourd'hui, votre terreur est émoussée. Ah oui? Nous verrons cela. Trackpeur, mandez vos chasseurs. Miskia, mène la félone à l'hypogée. Trackpeur, je tiens à ce que notre invité participe à la chasse d'abnégation. Montrez-lui comme la peur est un instrument efficace. À vos ordres, maître. Je vous attendrai dans le bosquet de la terreur.
c'est à moi de vous causer. Vous savez où me trouver. Le B.A.B.A. c'est un bourreau, on s'en doute pas. Réel plaisir de vous voir. Vous avez tant de fraîcheur. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'honorable sans entrave? Manifestement, vous savez qui est la meilleure. Je suis une lame qui n'attend que d'être dégainée. Thank you.
Emmenez-moi avec vous. Soignez votre posture, surveillez vos arrières, et surtout, ne trahissez jamais votre peur. La lame n'est qu'un outil. C'est dans la main qui la tient qu'est le génie.
Pour quelle aventure avez-vous besoin de mes talents cette fois? La prochaine fois que vous aurez un combat sur la planche, appelez-moi. Pensez à moi si vous rencontrez un défi intéressant. Vous avez des ordres à me donner? Merci d'être passé. Nous avons l'éternité pour vous connaître. Ma lame pourrait être à vous. Ah, Redopress. Ici, il vaut mieux n'être personne. Élégante comme Macteridon. Agile comme la crèche. Ce qui se fait de mieux, c'est évident. La mort est la plus puissante des transactions. Dites-moi ce qu'il vous faut. Ce devrait être une fructueuse collaboration. Comment puis-je vous aider? Dans ce royaume, les perspectives sont infinies.